aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite n'est envisagée. Ce n'est pas non plus le sens des propos que j'ai tenus dimanche et dont les diverses interprétations sont à l'origine d'une polémique. Et vous n'y êtes pas hostile, vous, personnellement ? Je ne suis pas hostile, pourquoi ? Je suis médecin. Alors, je vais être honnête, je suis médecin. Je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Nous savons aujourd'hui que les retraites que vont prendre les actifs d'aujourd'hui vont durer 20, 25, 30 ans. Puisque la durée de vie augmente, nous allons vivre jusqu'à aujourd'hui 86 ans pour les femmes, bientôt 90 ans en moyenne. Voilà, est-ce que, alors que le nombre d'actifs diminue, est-ce que indéfiniment nous allons pouvoir maintenir sur les actifs le poids des retraites qui vont augmenter en nombre et augmenter en durée, nous savons bien que cet équilibre-là va être de plus Emmanuel en plus difficile Macron à tenir. Nous verrons si dans la réforme, il conviendra éventuellement de proposer un allongement de la durée du travail. Alors. Très clairement, nous on a dit là-dessus stop. Ça fait depuis 93 les réformes des retraites se succèdent les unes après les autres et systématiquement elles conduisent à allonger la durée au travail, c'est-à-dire à reculer la possibilité de partir en retraite. Pour qu'il soit parfaitement juste, nous devons également permettre à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de pouvoir continuer à travailler après l'âge minimal de départ à la retraite et d'être avantagé financièrement à le faire. Les pistes d'incitation sur lesquelles travaille le haut-commissaire visent à accompagner un phénomène de société, l'allongement de la durée de vie, qui est un défi d'avenir pour notre société comme pour nos voisins européens et que nous devons relever collectivement, et je n'ai rien dit d'autre. Vous m'avez demandé à titre personnel. Donc j'ai répondu à titre personnel. Je pense que un jour, je pense que nous serons obligés de travailler plus longtemps, sinon le système par répartition ne pourra pas tenir.